Salut tout le monde, c'est Joe. Il y a un peu plus d'un an, je vous avais fait un petit tutoriel pour vous montrer comment regarder plus de 6000 chaînes TV du monde entier. Des chaînes françaises, européennes, africaines. Si vous utilisez ce service, vous avez dû remarquer depuis quelques jours, il ne fonctionne plus. Donc le service a été supprimé par GitHub. On ne sait pas encore pourquoi. Les personnes qui gèrent le service attendent une réponse de GitHub pour contester la décision et pour savoir s'il va être réactivé sur GitHub ou s'il va falloir migrer ailleurs, par exemple sur GitLab. Et donc en attendant, je vais vous montrer comment toujours pouvoir regarder des milliers de chaînes TV du monde entier. Donc déjà, je souhaite remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à IPTV.org. Et je souhaite remercier aussi Ismaël Moret, qui est responsable de ces nouveaux liens de secours. Ce sont que des chaînes gratuites qui sont accessibles gratuitement parce que les propriétaires de ces chaînes diffusent gratuitement sur Internet. Les liens que je vais vous donner aujourd'hui, ça n'a pas vocation à fonctionner parfaitement indéfiniment. Vous allez les utiliser en attendant qu'on sache que va devenir le service IPTV.org. Et une fois qu'on est fixé, que le service est réactivé ou qu'il a migré ailleurs, soit les anciens liens refonctionneront, soit je vous fournirai les nouveaux liens. Comme ça, les chaînes seront toujours à jour. Et donc, si ça vous intéresse d'avoir plusieurs milliers de chaînes, restez connectés. Donc la première chose à faire pour regarder des chaînes de TV avec une playlist M3U, c'est de télécharger une application de playlist. Donc vous allez sur le store de votre appareil, par exemple, le Google Play, l'App Store, etc. Vous tapez IPTV, application de playlist IPTV. Donc vous trouverez. Aujourd'hui, je vais faire le tutoriel sur l'application Televizo, T-E-L-V-I-Z-O. On clique sur l'application et ensuite on clique sur installer. Pour me soutenir, n'oubliez pas le gros pouce, de partager la vidéo, mais un petit commentaire aussi, ça me fera plaisir. Après avoir démarré votre application de playlist IPTV, vous cliquez sur ajouter une playlist. Selon l'application, ça peut avoir un nom légèrement différent. Donc on choisit nouvelle playlist M3U, vu que c'est une adresse URL. Il faut lui donner un nom. Donc il y a plusieurs liens différents. On va voir les chaînes rangées par langue, français, anglais, etc. Rangé par catégorie, rangé par région. On va avoir la liste complète et donc je vais vous donner tous les liens différents. Donc en nom de la playlist, on va taper TV par langue, par exemple, et on va entrer l'URL où les chaînes sont triées par langue. Donc c'est celle-ci. Ne vous inquiétez pas, je vous ai mis tous les liens en description de la vidéo et on valide ici. Ici, on clique sur enregistrer et donc on a toutes les chaînes de TV qui sont triées par langue. On a par exemple 6 chaînes en basque, 32 chaînes en bengali, 15 chaînes en bulgare et ce qui va intéresser le plus de personnes ici, et on a les 162 chaînes en français. Par exemple, on clique sur TF1 et on a la chaîne qui démarre. J'ai mis en pause. Si on clique sur les paramètres, on va installer notre playlist. On clique dessus sur playlist, on clique sur plus en haut à droite et on fait nouvelle playlist M3U. On met un nom à la playlist, par exemple TV, on va mettre comme ça. On va mettre l'URL, donc l'URL pour toutes les chaînes c'est celle-ci. Sinon on a aussi l'URL des chaînes triées par catégorie, c'est celle-ci. Et aussi l'URL des chaînes triées par région, donc c'est celle-ci. Et je vais valider, on fait enregistrer, on clique en haut sur TV par langue, on va choisir la deuxième playlist que je viens de mettre. Et donc on a les chaînes triées par région, Afrique, Amérique, les chaînes arabes, etc. Donc pour la France, c'est en Europe et on aura toutes les chaînes européennes ici. Donc c'est une copie à l'instant T des chaînes que vous pouviez avoir déjà avec IPTV.org, le service que je vous avais présenté dans une autre vidéo. Ce sont des playlists de secours en attendant de savoir ce que va devenir le service IPTV.org, s'il va être toujours hébergé sur GitHub ou s'il va passer par exemple sur GitLab. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao, ciao.